Bonjour tout le monde, ici Kiss pour le syndical, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va super bien aujourd'hui les potos, petite vidéo sur Batman Arkham Knight. C'est parti, on commence maintenant, j'espère que cette vidéo va vous plaire et c'est parti, on commence maintenant. On lance une nouvelle partie. Est-ce que le patron arrive? Il va venir. Riley dit qu'il a vu Batman. Il est là aussi. À Arkham City. Pourquoi il viendrait ici? Vous feriez mieux de vous détendre un peu. C'est Batman! Qu'est-ce qui se passe? Désolé de vous décevoir, les gars. Ce n'est rien comme... Bon, honnêtement, les poteaux. Ce sera pas long, t'inquiète! Je voulais finir le jeu. Tu vas mourir à Arkham City! Même habituel. Tu vas me voulais finir le jeu de. Une chose, comment ça s'est déjà. Batman Arkham Asylum, mais j'ai toujours plus. J'ai de la bras et j'accroche pas à Batman Arkham Asylum. Je sais pas, peut-être que le fait que ça se passe sur une île ou que c'est trop cool horaire. Tu ne sortiras pas d'ici, Catwoman. Je suis un peu claustrophobe dans ce type de jeu. Tu veux terminer pour moi? J'ai joué à la bêta d'Avenger, puis même à ça, Avenger, je me suis embarqué parce que c'est pas à cause de l'univers, mais c'est à cause de. À cause que, tout simplement, à cause que j'avais l'impression des fois des ennemis qui mouraient, je me trompe pas avec eux. Maintenant que leur compte est bon, il est temps de prendre ce que je cherche dans ce coffre. Essaie un peu ça sur moi, mon petit Harvey. Je te le déconseille. Des fois mieux écrit de Batman Arkham City que Batman Arkham Asylum, ça c'est sûr. Ici Vicky Vale pour un reportage en direct d'Arkham City, la super prison controversée se trouvant au cœur de la ville de Gotham. Dans quelques instants, Bruce Wayne sera avec nous en direct pour s'expliquer sur son intérêt soudain pour la politique de Gotham. Le célèbre playboy millionnaire n'a jamais été du genre... C'est milliardaire, Vicky. Les millionnaires sont complètement déplacés. Je suppose que vous pensiez que vous étiez intouchable. Eh bien, comme vous pouvez le voir, personne n'est vraiment intouchable. Merci. Merci, Gotham. Mesdames et messieurs, emprisonnés derrière ces murs, des chefs de gang qui s'affrontent sans merci au milieu de notre ville, qui a perdu de sa superbe. Tous les détenus de l'acide d'Arkham et de la prison de Blackgate ont été transférés dans ce complexe pénitentiaire. Comment garantir la sécurité des habitants de Gotham? Fermez Arkham City maintenant! C'est le chaos total. Mais pourquoi donc? D'ici la fin de la soirée, je serai un héros, tout comme vous, Batman. Aujourd'hui, je lance une campagne pour la fermeture d'Arkham City et pour rétablir la sécurité de Gotham. Mais qui c'est Wayne et les autres priorités? Où je t'ai dit? Dépendez, Wayne! Où tu es, Wayne? C'est mes
Je dois vous remercier. Il est plus facile de capturer Wayne que Batman. Maintenant que nous vous tenons, le protocole 10 est prêt à commencer. Ce sera mon héritage. Un monument à la gloire de votre échec. Et si vous essayez de m'arrêter, je vous garantis que tout le monde apprendra votre secret. Vous êtes un moine pour venir. Laissez-moi me présenter. Je suis le professeur Hugo Strange. Qu'est-ce que vous fabriquez? Vous pensiez qu'on vous entendrait pas? Vous avez affiché un profond mépris de la loi, de la société et de vous-même. À partir d'aujourd'hui, vous l'avez vécu à la société pour laquelle vous bienvenue à Arkham City, Wayne. Oui. Qu'est-ce que tu fabriques ici, Wayne? On a tué son majordome. Je vais faire de toi mon toutou, Wayne. Oui. J'ai dit à terre, allez! Qu'est-ce qu'on attend, Wayne? File A, allez! Wayne, vous êtes dans la file A! On se bouge, l'aristo! File A, prisonnier! Hey, Wayne! Il paraît que le pingouin a mis un pain sur ta tête. Et moi, je compte bien ramasser le blé. Vous deux, hors du chemin, pingouin! Wayne, venez donc par ici! Je déteste le pingouin. Oh, Wayne! Je suis la tête! T'es sur ma liste. Écrase-lui la tronche! Ben! On se bouge, prisonnier! Je vous ai dit d'arrêter! Maintenant! Baissez vos armes. Monsieur Wayne ne posera pas de problème, n'est-ce pas, Monsieur Wayne? Laissez-lui les menottes. On ne voudrait quand même pas faciliter trop les choses, n'est-ce pas? Ferme les portes. Préparez-vous pour l'insertion. Je peux pas croire que je vais mourir ici. Bruce Wayne? Super. J'étais en reportage à votre conférence de presse, et maintenant on est là tous les deux. C'est ce qui arrive quand on s'intéresse à la politique, n'est-ce pas? Écoutez-moi attentivement. Quand la porte s'ouvrira, ne paniquez pas. Restez près de moi. Vous croyez que je vais suivre les conseils d'un type qui ne s'est jamais battu de sa vie? Restez calme. Ils essaient de nous faire peur. Désolé, vieux. Chacun pour soi. Petit coup de mou. Tu veux que j'appelle ton majordome? Cobblepot. Oh, tu te souviens de moi? Oh, c'est touchant. Ta famille a détruit la mienne. C'est... Eh bien, on n'a qu'à appeler ça une bonne vieille vengeance. Ah! Échappez-le! Ah! Ah! Frappez-le! Je crois qu'il m'a cassé la main. J'aurais cru que ça s'est échappé, mais c'est possible. Alfred d'ici. Il doit d'abord grimper.
vous auriez trop les jetons de vous battre contre moi, Wayne. Allez-y, fuyez! Courez et grimpez comme un petit singe stupide! Pour ce que ça vous apportera, Arkham City est à moi! Vous avez bien compris? Cette ville est à moi! Vous pouvez pas m'échapper. Je vous trouverai. J'enverrai un millier de personnes à vous. Alfred, vous avez les coordonnées? Presque, monsieur. Il y a plus d'interférences que d'habitude. Il me faut un largage immédiat sur le toit de l'immeuble d'Ace Chemical. Je suis déjà en chemin. Bien sûr. Je peux sûrement sauter jusque sur le bâtiment d'Ace Chemical. Je pourrais grimper depuis ce point. J'ai regardé votre incarcération au journal télévisé du soir. Vous aviez prévu de vous faire arrêter depuis le début, ou je me trompe? Pas vraiment. Mais ça m'a permis de passer du temps tête à tête avec Hugo Strange. Et comment était-ce? Pas terrible. Il sait que Bruce Wayne est Batman. Il m'a aussi dit qu'un certain protocole 10 allait le rendre célèbre. Je ne peux pas quitter Arkham City sans savoir ce que c'est. Est-il arrivé, monsieur ? Pile à l'heure. Alfred, j'ai pris une clé de cryptage à un garde Tiger. Je vais pirater leur communication. À toutes les unités, ici Air Tiger 4. On a confirmation que la détective 4011 est au tribunal. Je répète, Catwoman est au tribunal. Est-ce qu'elle est en danger? Affirmatif. La cible est retenue par Dent. On pense qu'il a l'intention de la tuer. Comment doit-on procéder? Arrêtez. Que Double Face puisse s'amuser. C'est compris. Ça ne me dit rien qui vaille. Vous n'avez pas tort. La prédilection de Monsieur Dent pour tout ce qui est binaire n'est pas de bon augure pour Miss Kyle. S'il y a quelqu'un à Arkham City qui sait ce qui se passe vraiment, c'est bien elle. Il faut que je retrouve Catwoman. Rejoins le Double Face! Tu vas devoir frapper plus fort! En tout cas, côté gameplay, Arkham City est bien meilleur, je trouve, à mon sens, que que Arkham City. C'est le jour et la nuit de côté gameplay. C'est Batman! Je vais mourir à
chose veut se battre. Plus personne? Ok. Attendez, Boutou, j'ai vu une affaire sur le web, ça a l'air que là, les jeux PlayStation, les exclus PlayStation vont arriver sur PC. Ben, du coup, ça me fait rigoler parce qu'il y a des pro PlayStation qui disaient en mode, ou des fanboys PlayStation qui disaient en mode, j'aime mieux dire fanboys que pro. Je sais pas, pro, c'est un peu plus péjoratif, je trouve, mais bon. Si je pars, Catwoman mourra. Qui disait, il y a pas d'exclus sur Xbox, yo, mais PlayStation c'est pareil, il y a plus d'exclus sur PlayStation, fait, du coup ça me fait rire. Le seul moyen de s'en sortir ici, c'est de réussir à se faire respecter. C'est ce qui suscite le respect. Montre-leur comment ça marche. Mais il faut qu'on soit juste. C'est une cour de justice, ne l'oublions pas. Justice. Tu l'as, ils nous craindront tous. Faites donc entrer l'accusé. Toi, on peut dire que tu sais t'y prendre avec les femmes, Harvey. Hey, t'aurais pas fait un peu de chirurgie? Ça, c'est pour nous avoir volés. Personne ne peut nous voler. Oh. Je suis désolée, j'ai été un vilain chaton. Libère-moi, et je te revaudrai ça. Voyons voir si cette pièce pense ce que tu dis vrai. Le procès commence. Objection! Rejeté. Pile ou face, joli mignon. Quelle face je dois choisir pour rester en vie? Ah, celle-là. Tu vas crever. Moi, je demande un sursis à l'exécution. Pas de flingue, Harvey? Dommage. Ça va te faire très mal. Deux flingues, quatre! Moi qui croyais que les chats étaient les seuls à avoir 9 vies. Ça balance, Harvey? Viens voir maman. Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit que tu étais plein de surprises? Je me suis dit que tu aurais besoin de mon aide, Selina. Tu as raison. Je crois bien que je me suis cassé une griffe là-bas. Très drôle. Que veux-tu savoir, monsieur le détective? Le protocole 10. Qu'en sais-tu, Selina? Absolument rien. C'est pas ce que je voulais entendre. Et pour Hugo Strange? Je ne lui fais pas confiance. Il disparaît des années, et d'un seul coup, il réapparaît à la tête d'Arkham City. On raconte qu'il bosse avec le Joker, et qu'il prépare un petit cadeau très spécial, rien pour toi. C'est peut-être ça, le protocole 10. Art de dire, cher Matou, qui veut tuer ton gentil Matou? Cet ex-procureur ici présent a dit quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? À très bientôt, Batman. Cet endroit est très dangereux. J'adore ça.
Tu attendais un baiser? C'était le Joker. Tu es en danger ici. Comme tout le monde. J'ai 9 vies, tu sais bien. Je dois localiser l'endroit par où la balle est entrée dans le tribunal, ainsi que son impact. Allez, libère-moi! Bats-toi comme un homme! Bon. Elle est entrée par là. La balle a touché le sol ici. Bon, par où est-elle entrée? La trajectoire empruntée par la balle me mènera au tireur. Le clocher. Le protocole 10 prendra effet dans 10 heures. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il est toujours là-dedans? Ouais, je crois. J'entends quelqu'un là-dedans. Garde cette porte fermée, mec. Je veux pas me retrouver face à Batman. T'avais pas dit que c'était Batman? Pourquoi on est encore là? On devrait plutôt se tirer, non? Tu crois? Sois pas débile. Tant que tu gardes cette porte fermée, il peut pas sortir et on est à l'abri. Vraiment? Et qu'est-ce qui l'empêche de faire le tour? Y'a une autre sortie? Ouais. Double Face me l'a montré. Y'a un tu as froid? Bien sûr que j'ai froid. On se les gèle ici. Tout ça parce que cette carte Starley nous a laissé dehors. Quel cinglé. Je parie qu'elle est bien au chaud, elle. Doucement, mec. C'est qu'une question. Regardez, c'est Batman! Je suis à l'église. On dirait bien qu'Harley Quinn est à l'intérieur. Cette horrible femme est sans doute à nous en train de vous tendre un piège. Ne vous inquiétez pas, Alfred. Quinn n'a jamais été une lumière. Tout ira bien. Laisse partir la demoiselle, Batman. Ou on leur colle tous une balle dans la tête. Je crois que t'as intérêt à faire ce qu'il te dit. Ce serait du gâchis si ma superbe nouvelle tenue était couverte de sang. Qu'est-ce que t'en penses, Batman? Elle te plaît? Qu'est-ce que je raconte, voyons, évidemment, à qui elle ne plairait pas? Bon, enfin bref, je t'explique. Monsieur J ne peut pas recevoir de visite pour l'instant. Il ne se sent pas vraiment lui-même. Enfin, bon, c'était déjà le cas, mais c'est pas ce que je voulais dire. Il a une petite baisse de forme et l'imbécile de médecin que j'ai envoyé n'a pas pu l'aider. Je crois que même ces crétins en ont plus dans la cervelle. Je dois y aller, les mecs. S'il tente quoi que ce soit, tuez-le. C'est du suicide d'attaquer des voyous armés. Je dois disparaître et les éliminer silencieusement, un par un. Ne bouge surtout pas, Batman. Il est parti! Il a disparu! Ils ne savent pas où je suis. Bien, tâchons que ça reste comme ça. Il est temps d'inspecter la salle et de planifier ma stratégie. 4 voyous, tous armés et 2 otages. Ça devrait être facile. Il faut qu'on sorte de là! Il va nous buter! Batman, tu m'entends? Si tu tentes quoi que ce soit, ce crétin se croit en sécurité dans le confessionnal. C'est encore plus facile pour moi de l'avoir par derrière. Ça va, ne dites rien. Tu le vois? Où est-ce qu'il est?
Je sais pas où il est. T'es toujours là? Réponds-moi! Il a un otage. Je peux planer jusqu'à l'échafaudage au-dessus de lui sans être vu et l'éliminer depuis ce poste. Et merde, il m'a eu. Adieu, stupide chauve pourri! Personne ne va te sauver maintenant! Là, il y a tout l'otage. Je dois y aller, les mecs. S'il tente quoi que ce soit, tuez-le. C'est du suicide d'attaquer des voyous armés. Je dois disparaître et les éliminer silencieusement, un par un. Ne bouge surtout pas. Il est parti. Ils ne savent pas où je suis. Bien, tâchons que ça reste comme ça. Il est temps d'inspecter la salle et de planifier ma stratégie. Quatre voyous, tous armés, et deux otages. Ça devrait être facile. Il faut qu'on sorte de là! Il va nous buter! Batman! Il a un otage. Si tu je peux planer jusqu'à l'échafaudage au-dessus de lui sans être vu tous. Et l'éliminer depuis ce poste. Oh non! Je vais crever ici. What the fuck? J'en ai dit. Yeah, wow. Ah, wow. Enfin, il fait comment pour me voir, c'est ça le truc, là. S'il tente quoi que ce soit, tuez-le. C'est du suicide d'attaquer des voyous armés. Je dois disparaître et les éliminer silencieusement, un par un. Ne bouge surtout pas. Ils ne savent pas où je suis. Bien, tâchons que ça reste comme ça. Il est temps d'inspecter la salle et de planifier ma stratégie. Quatre voyous, tous armés, et deux otages. Ça devrait être facile. Il faut qu'on sorte de là! Il va nous buter! Batman! Tu m'entends? Si tu tentes il a un quoi otage. Que ce soit, je peux planer jusqu'à l'échafaudage au-dessus de lui sans être vu et l'éliminer depuis ce poste. Je vais crever ici. Où est-ce qu'il est? Je sais pas où il est. Je le vois pas. Il peut venir de moi. Reste calme. Batman, tu m'entends? Fous-toi d'ici. Tire-toi si tu veux pas que cette sale gare se retrouve avec un... Ça va aller. Attendez ici et ne faites pas de bruit. Ce crétin se croit en sécurité dans le confessionnal. Ce c'est encore plus facile pour moi de l'avoir par derrière. La ferme, la ferme. Ça va, ne dites rien. Où est-ce qu'il est? Je sais pas où il est, je le vois pas. Si j'arrive à passer derrière ces deux-là sans être repéré, je pourrais les éliminer en un coup. Oh, hé, hey, qu'est-ce qui se passe? Réponds-moi, mec. Il y a un problème. Il y a un trou à la place de la tête. Ouais, lâche-toi un peu. La pièce est sécurisée. Tout va bien se passer. Non. Dieu merci. Hé, hey, Batman! Merci du coup de main! Mm-hmm.
vois l'alarme. J'ai l'impression qu'elle est contrôlée à distance par le Joker. Alfred, j'ai une piste pour le signal utilisé pour contrôler à distance le fusil de sniper. C'est un coup du Joker. Avions-nous encore des doutes? Le signal radio devrait nous mener directement à lui. Bonne chance. Sans, ils auraient dû rentrer il y a des heures. Je sais pas. Ils connaissent les règles. Je les répète sans arrêt. Revenez ici avant qu'il fasse noir. C'est peut-être les gars de Double Face. Bon sang, pourquoi ils ont rien écouté? C'est le seul endroit qui soit sûr. On reste ici et ces monstres nous laissent tranquilles. C'est pas à moi qu'il faut le dire. Je sais, je sais. Pourquoi ils sont sortis? Pour manger, je pense. Ils auraient dû attendre. Ils ont eu faim. Merde, on a tous faim. J'ai pas mangé depuis des jours. On va tous crever ici. Ici au moins on est à l'abri. Je vais chercher de la nourriture. Comment? À chaque fois que Strange en livre, ces salauds raflent tout ce qu'il y a. On a aucune chance. Je vais trouver une solution. Crois-moi. C'est Batman. Avec l'homme mystère est de retour. Ça a l'air d'être vrai. Batman est là. Bon. Je sais pas où tu es, Batman, mais je te trouverai. Bon les potos, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était Gizmo 64 pour un let's play sur Batman Arkham, Arkham City. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. C'était Gizmo 64. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao et bon début de week-end. Allez.